Aujourd'hui, on va tester le Onemi F+ de chez Xiaomi, un aspirateur robot avec la particularité d'avoir une vidange automatique et totalement autonome. Alors pour ce qui est du tarif sur Internet, faut savoir que ça tourne entre 430-480 €. Tu as parfois des promos à 400 €, mais on va dire 430. Mais il y a un mais, parce que grâce à Tokiwanti, si ce produit t'intéresse, je te mettrai un code promo en dessous, le lien pour aller l'acheter, et normalement tu l'auras à 370 voire 380, tout compris, et garantie 2 ans, bien sûr. Sur ce, nous on va les déballer, et c'est parti. Alors dans ce gros carton, tu vas retrouver donc deux boîtes. Tu auras l'aspirateur robot et la grosse boîte pour la base de chargement. À l'intérieur de cette boîte, donc, tu vas retrouver bien évidemment la base de chargement qui fait plutôt classe. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est plutôt joli. Et un fil pour la brancher directement en 220 volts. Et aussi, tu auras fourni deux sacs de changement pour collecter la poussière. Donc, c'est bien. T'en as en stock. Ensuite, dans la deuxième boîte où il y a l'aspirateur robot, donc, tu vas retrouver la notice avec le guide d'utilisation rapide, des lingettes anti-poussière. On va retrouver aussi la serpillière sur son support. On a la chance aussi qu'ils nous fournissent un filtre à poussière supplémentaire. C'est vrai que c'est toujours le bienvenu. Et enfin, le robot Onemi EV qui en jette un max. Franchement, pour un aspirateur, il a de la gueule. Comme je viens de te le dire, niveau design, faut dire qu'il est beau. Moi, j'aime bien ce Onemi. Je sais pas pourquoi j'ai un accent anglais Onemi. J'aime bien cet aspirateur. Je trouve qu'il est beau, ce blanc avec les contours noirs, c'est quand même bien joli. Tu sens clairement que tu es sur un aspirateur pas entrée de gamme du tout. Ça respire la bonne finition. Juste au-dessus, on va retrouver la partie laser qui te permet de cartographier en fait ton appartement. On va en revenir plus tard. Tu auras aussi les trois boutons. Donc, tu auras le bouton Power, le bouton Home pour faire rentrer à la maison et le bouton pour aller sélectionner une zone. Personnellement, je me sers pas de ces boutons. Je trouve pas ça très utile parce que tu pourras le contrôler avec l'application. Et on verra aussi ça tout à l'heure. Sache que pour les applications, tu peux connecter deux applications. Oui, tu as l'application Onemi, donc officielle, et tu as l'application Mi Home. Si toutefois tu es d'autres appareils Xiaomi, ça t'empêchera tout simplement d'installer une autre application, tu te sers de Mi Home. Ensuite, quand on va regarder sur le côté, alors tu vas retrouver trois capteurs infrarouges plus le bumper. Oui, ça se dit bumper. Et à l'arrière, tu auras le collecteur de poussière plus celui pour l'eau qui fait 250 ml parce que oui, il fait aussi nettoyant. Serpillière quoi. Sur la partie en dessous, on va retrouver deux roues énormes style VTT avec des crampons. Ça te permet simplement de pouvoir accrocher quand le sol est mouillé, vu qu'il nettoie en même temps, c'est quand même plus logique. On peut dire qu'il fait tout terrain. Bien sûr, on va retrouver aussi trois détecteurs anti-vide qui vont simplement détecter si tu es à l'escalier, si tu es sur un balcon, sur une terrasse, pour empêcher la catastrophe quoi. La chute, la mort, le cassage. Avec ça, on aura donc les deux brosses rotatives qui vont ramener la poussière vers la bouche. C'est ça, la bouche. Et tu auras aussi notre brosse rotative qui va finir le travail pour surtout les tapis, pour gratter un peu et ramener la poussière dans la bouche. Je suis pas sûr du terme bouche, si tu peux m'éclairer, parce que plus j'y pense, plus ça va pas. Mais c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, tu peux aussi la démonter facilement. Heureusement, pour le nettoyage, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, pour la première utilisation, c'est pas compliqué. Ça va dépendre pour qui, parce que franchement, moi, au début, j'en ai chié. Oui, comme quoi la notice est utile, mais quand vaut mieux que tu la lises. Donc, tu as juste à brancher la base, ton aspirateur, tu le mets en charge directement, tu télécharges l'application, donc Onemi ou si tu as la Mi Home, et là, c'est là où ça va tout changer, où tu devais lire la notice ou non. Tu vas cliquer sur le bouton Power et le bouton Home à droite si tu veux te connecter avec l'application Mi Home, ou alors sur les deux boutons, en sud gauche et sud du milieu, si tu veux te connecter avec l'application Onemi. Tout con, mais j'ai pris du temps à le trouver. Au final, ça se connecte en 2 secondes, c'est vraiment très simple. Voilà. Pendant que j'y pense, si tu aimes ce que tu vois, le spécimen, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, à cliquer sur la cloche de notification. Et puis tu peux me rejoindre ici sur Instagram et Facebook, où c'est carrément plus complet, plus de choses sur la vie privée des arrivages. Vas-y, franchement, ça coûte rien. Après, pour le premier lancement, ça va être simple, c'est où tu appuies sur le bouton Power, ou alors tu te sers de l'application et tu dis comment c'est à nettoyer. Et à ce moment-là, il va cartographier ta maison pour la première fois. Parce que oui, il va faire un plan total de ce qu'il aura vu. Si tu laisses faire toute ta maison, tout ton appartement, il va faire une mini-carte sur ton application qui te permettra de savoir, de voir ton appartement dans un plan. Après, il fait une technique simple, celle qui fonctionne le mieux. Il va faire le tour donc en longeant les plaintes de toutes les pièces. Et après, il va commencer le nettoyage en zigzag, ce qui va permettre de rater aucune zone et de nettoyer complètement toute la maison. En tout cas, tout ce qui est accessible. Et tout ça, en fait, ça se passe grâce au laser qu'on a vu au-dessus qui va tourner, qui va capter tous les obstacles, tout ce qui est autour. Bon, après, les obstacles plus petits que lui, de moins de 10 cm, il ne pourra pas les voir avec le laser. C'est là où le bumper va venir faire son travail.
Mais sinon, il va tout capter, savoir où il y a les deux obstacles et pouvoir contourner et donc nettoyer toutes les zones qui sont accessibles à lui. Et il faut dire qu'il gère vraiment très très bien par rapport à ça, parce que même sous une table avec des chaises où généralement les aspirateurs viennent se coincer et ils sont enfermés et foutus, celui-là arrivera à se sortir de prison. Et je sais pas comment il fait, mais il est vraiment doué pour ça, pour se débarrasser, pour sortir des coins vraiment ric-trac, il se démerde bien. J'ai même voulu le mettre à l'épreuve et le foutre sur ma table basse pour voir s'il allait pas tomber dans le vide. Et comme tu peux le voir, il se démerde comme un chef. Jamais j'ai eu peur qu'il tombe. Il a toujours géré, il a fait le tour 15 fois. Bon, on peut dire que ma table basse est propre. Après, pour tout ce qui est des pièces vraiment trop grandes, hein, comme des salons de 40, 50 mètres carrés, etc., il va la délimiter en deux parties. Il va commencer à faire une moitié, après un zigzag, et faire l'autre partie. En tout cas, la première fois, jusqu'à que toi, tu décides que ce soit une pièce complète. Et ce que j'aime bien aussi sur ce robot roi de mie, c'est ses grosses roues. Comme je l'ai dit, c'est les grosses roues tout terrain. Et vraiment, rien ne le bloque, que ce soit des seuils de porte, que ce soit des bas de table basse plats, ou même des tapis énormes, rien ne lui résiste. C'est un vrai tout-terrain, il est vraiment très bon pour ça. Là où il va être un peu moins bien, à mon avis, c'est quand tu mets la serpillière en dessous, comme je t'ai dit, ça fait serpillière, eh ben, il va venir accrocher les tapis. Alors les tapis, les gros tapis qu'on a dans le salon et la cuisine, etc., pas de problème. Mais les petits tapis légers qu'on va acheter à Action, presque rien, qui sont extrêmement fins et qui partent avec un coup de vent, je peux te dire que lui, il va l'embarquer totalement. Et autre point important, c'est qu'il faut quand même préparer le terrain. Oui, il va embarquer pas mal de choses. Si tu mets une chaussette ou des fils qui traînent un peu de chargeur, c'est fini. Il embarque tout, il tire avec lui, il va même te débrancher les frises. Même les rideaux qui sont un petit peu trop longs, qui traînent un petit peu par terre comme chez moi, eh ben, ça va y passer, ça va se tirer et ça peut se coincer à l'intérieur. Après, c'est des détails. C'est pas gênant en soi, mais voilà. Une fois qu'il aura nettoyé ta maison entièrement, en fait, tu auras, comme je t'ai dit, la carte sur l'application et ça va te dire les détails du nettoyage qu'il a fait, où il est passé, les obstacles qu'il a eu, etc. C'est vraiment bien détaillé. Il pourra aussi cartographier, si tu as des étages, la partie haute, la partie basse, séparément. Bien sûr, si tu veux nettoyer l'étage, il faudra le porter pour aller le poser. Il va pas monter les escaliers. Après, que tu aies l'application Mi Home ou One Mi, franchement, c'est la même chose à 2-3 petits détails près, que tu verras même pas la différence. Une fois que le premier nettoyage sera fait et que tu auras une carte donc, de ta maison, tu pourras choisir des zones pour envoyer l'aspirateur. Ça peut être dans deux pièces, trois pièces ou une seule. Tu pourras sélectionner à souhait où tu veux qu'il aille nettoyer. Tu pourras même choisir des points précis d'un mètre carré ou des zones, un carré, un endroit où tu as fait tomber quelque chose, du riz. Voilà, tu peux sélectionner un endroit précis. Tu as bien sûr aussi la possibilité de régler la puissance d'aspiration, régler le débit d'eau pour le nettoyage. Tu peux aussi sélectionner l'option pour passer deux fois, pour qu'il nettoie deux fois mieux. Tu as aussi l'option pour sélectionner pour chaque pièce le débit d'eau et la puissance d'aspiration. Cuisine puissance d'aspiration maximum, chambre puissance d'aspiration minimum. Voilà, tout est réglable. Franchement, c'est extra pour ça. Moi, ça m'a... Ouh, des frissons. Mais pas que, parce que tu peux aussi régler la station de collecte de poussière, savoir s'il va aspirer à chaque fois la poussière de ton aspirateur après chaque nettoyage, selon la taille de ta maison. Si tu as une grande maison, il va aspirer à chaque fois. Si tu as une petite maison, tu peux faire récolter la poussière, je sais pas, tous les deux nettoyages. Sache que c'est fait automatiquement selon la surface qu'il va aspirer, mais tu peux aussi le régler. L'avantage de cette aspiration, c'est qu'elle fait aussi stérilisation et anti-odeur. Donc tu pourras garder 15 jours ta poussière là-dedans sans que t'aies d'odeur bizarre. Si t'aspirais un truc qui sent pas très bon, t'es tranquille. Et franchement, c'est extra, ne plus devoir vider le bac à poussière de l'aspirateur à chaque fois. C'est tout automatique, ça aspire directement par la base et ça va dans le sac que tu pourras vider ou alors remplacer, vu qu'on a des sacs de remplacement par la suite. Mais attention, quand ça se met en route, ça fait peur. Ouais, la première fois, j'ai failli aller me cacher sous la table, tellement j'étais surpris. Tu peux bien sûr programmer l'aspirateur pour le nettoyer plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, quand tu veux, tout simplement, personnaliser. Tu as aussi l'option où tu auras le registre de nettoyage, où tu auras vraiment tout ce qui s'est passé, s'il est tombé sur un X, s'il s'est bloqué, s'il manque de l'eau. En fait, c'est des petites notifications qui te diront tout. Autre truc sympa que j'ai aimé, en tout cas sur l'application, c'est l'efficacité des capteurs ou des brosses. En fait, l'application va calculer par rapport au temps d'utilisation s'il faut nettoyer les brosses, s'il faut nettoyer les capteurs, etc. Ça t'indique en pourcentage où tu en es, en gros. Et je trouve ça plutôt sympa. Ça te permet d'y penser. Sache aussi que le robot parle français, comme tu as pu l'entendre, mais en tout cas, d'origine, c'était pas français, c'était en anglais. J'ai dû aller dans langue et mettre la voix française. Et petite dernière info que tu penses là. Maintenant, tu peux le contrôler avec Alexa ou Google.
Là, je vais te parler de la puissance d'aspiration et du nettoyage. Qu'est-ce qui vaut réellement? Parce que oui, pour l'instant, on l'aime bien, il a plein d'options. C'est vrai que c'est plutôt sympa, j'avoue. Mais au niveau de l'aspiration, eh ben écoute, tu vas pas être déçu. Parce que sur tout ce qui est sol dur, en tout cas, dur, hein, parquet, lino, etc., l'aspiration est super. Vraiment, ça vient aspirer tout. J'ai même fait un petit test pour te montrer où j'ai mis un peu de tout, hein, des trucs qui traînaient au fond du placard que j'allais jeter, que ce soit du riz, du Nesquik, ou de la terre, ou de la biscotte. En passant dessus, il m'a tout aspiré. Alors là, il n'a rien lâché derrière. C'est vraiment efficace. Pourtant, l'aspiration n'était pas au maximum. Donc, l'effet est très très bon. Là où il va être un petit peu moins bon, c'est sur les gros tapis. C'est-à-dire les tapis épais avec beaucoup de poils. J'ai essayé de mettre du Nesquik, du riz, etc. comme j'ai mis la biscotte. Au premier passage, bon, il a nettoyé, certes, mais il n'a pas aspiré un maximum. A savoir que l'aspirateur détecte automatiquement les tapis. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais dès qu'il va passer sur une moquette ou un tapis, il va détecter automatiquement et lancer une aspiration plus forte. Le problème, c'est qu'il détecte un peu tard. Donc, il va faire à peu près 50 cm sur le tapis avant d'être activé. Donc, les 50 cm où il est passé, ben, il n'aura pas aspiré à fond. Par contre, sur les moquettes normal ou les tapis pas très épais, là l'aspiration va être excellente, il laissera presque rien derrière lui, voire rien, ça dépend si c'est vraiment très très difficile à aspirer, un peu comme tous les aspirateurs, mais j'ai vraiment trouvé cet aspirateur efficace, en tout cas j'ai pas ressenti le besoin de passer derrière, aspirer avec un aspirateur plus puissant dans toute la maison. Tu sens qu'il est passé, que c'est propre derrière lui, il est vraiment efficace pour l'aspiration en général. Pareil au niveau du lavage, oui c'est une serpillière qui va venir enlever la poussière, en gros faire un effet propre, ça va nettoyer, si ça nettoie tous les jours, ça sera propre, mais si tu as une grosse tache par terre hein, de chocolat sec ou des je ne sais quoi, ce que tu peux avoir chez toi par terre de sec, non, là il faut y aller à la main, c'est vraiment fait pour faire un nettoyage tous les jours, un petit nettoyage, c'est pas, voilà quoi, c'est pas une grosse serpillière avec du produit pour le sol, je trouve pas les mots pour dire quel genre de nettoyage ça fait, ça humidifie le sol en frottant un petit peu avec une serpillière anti pour attraper la poussière. Pour ce qui est de l'autonomie, alors on est sur une autonomie de 5200 mAh et on peut dire qu'il tient environ 3 heures en aspiration normale. Moi j'ai un appartement qui fait à peu près 100 mètres carrés et il utilisait même pas 50% de la batterie. Il prend à peu près 1 heure 10 pour faire la totalité. Sache que 100 mètres carrés pour lui, ça va être beaucoup moins parce qu'il y a des meubles, des lits, etc. Donc ça divise vachement et on n'est plus sur du 60-70 mètres carrés pour faire 1 heure et quelques. Mais c'est tout à fait honorable, sachant qu'il n'était même pas à 50% de batterie et il retourne à la charge automatiquement. Donc si tu as une grosse maison et tu veux faire 2 étages, ça sera à l'aise. À part si tu as 2 étages de moquette super épaisse, et là il cartonne à fond, il tiendra 1h30, 1h50 avec aspiration, mais vraiment à gogo. Pour conclure, on va quand même y trouver quelques petits défauts, mais vraiment minimes. Déjà, le bruit, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est pas les plus discrets, il est pas forcément très bruyant comme tu as pu l'entendre, mais voilà, on va l'entendre, si tu regardes la télé, bah ça va te gêner quand même un petit peu. Après, comme je t'ai dit, les aspirations de gros tapis avec des gros poils, si tu as des trucs au fond, non, l'aspirateur ne sera pas assez puissant, même au mode maximum, il faudra passer avec un aspirateur traîneau avec la puissance maximum pour aspirer les trucs bien cachés, incrustés. Comme je t'ai dit, autre point négatif, c'est qu'il vient aspirer les fils. J'aurais aimé que le capteur laser puisse capter en tout cas plus bas pour voir s'il y a des fils et les éviter, parce que c'est vrai que j'ai retrouvé souvent un fil en fin fond du couloir alors que le fil était branché dans le salon à la base. Si on veut retenir les points positifs, on peut parler de l'aspiration. Oui, c'est un aspirateur vraiment performant. Pour un aspirateur robot, je trouve qu'il aspire vraiment très bien, qu'il fait son travail. En tout cas, le résultat est là. Ça m'a quand même un peu bluffé. Faut dire que c'est un vrai cascadeur, il va monter de partout et il va vraiment jamais se coincer ou voir très 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 peu. J'aime aussi beaucoup, c'est la cartographie, d'avoir une zone de nettoyage, de pouvoir l'envoyer dans une seule chambre, dans une autre chambre, de pouvoir régler l'aspiration plus forte d'une chambre à l'autre, etc. Ça, c'est vraiment un point positif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu. Et puis, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Voilà, la prochaine fois. Allez, tout qui maintient. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.